Artus Focus. Artus Focus. Artus Focus présente. Ça, c'est le baobab. Il fait plus que 220 ans. 15 mètres en circonférence. En Afrique du Sud, il y a un baobab, ils ont fait un resto bar. J'ai vu ça sur internet ce matin. Ah oui? Un baobab, c'est creux. Ouais. Et il était déjà mort pour... Non. Si on le coupe à l'intérieur d'un baobab, c'est creux. Ah, il continue c'est à vide. Vivre. Hein. Continue à vivre, c'est la fibre. Ah. Ouais. C'est l'arbre le plus gros d'Afrique, ça. Mais en Afrique, les baobabs, en haut, ils n'ont pas de feuilles. D'accord. Pas de feuilles, plus connu comme l'arbre qui pousse avec la racine sur la tête. Selon la légende, il disait Dieu s'est mis en colère, il a vu un baobab, il a renversé, ça pousse à l'envers. Ouais, c'est la légende du baobab. Ça fait des fleurs qui vivent qu'un seul jour, éphémère. Et les fleurs, elles poussent tout le temps ou... Tout le temps. Toute l'année, il y a la fleur là. Comme un champignon. Ah, comme un champignon. Comme un champignon blanc dans l'arbre. Les fruits du baobab, là, on voit mieux dans l'arbre. Ça fait comme des rats ou comme des chauves-souris. Oui, d'accord. On s'appelait ça les pains des singes. D'accord. Les fruits du baobab, c'est les pains de singes. On peut le manger, c'est un petit peu acide, mais c'est pas mauvais.